Eh bien, bonjour! Alors, on se retrouve. Normalement, il y a un petit trailer de Pokémon à 9G. Donc, la suite de ce qu'on avait fait mardi, mais qu'il n'y avait pas de son de mon côté. Donc, ça m'a qu'un peu cassé les couilles. Alors, attendez. Hop. Voilà. Donc, ouais, je m'étais pas rendu compte qu'il n'y avait pas de son. D'ailleurs, attendez. Eh, c'est bon, il y a du son là. Il y a du son. Donc, on devrait avoir le reveal du nouveau Pokémon. Donc j'ai hâte de voir ça. Hâte de voir à quoi il ressemble, un nouveau petit Pokémon. Ça va être cool. Et puis je crois que ça dure genre 4 minutes. Donc c'est quand même long pour un review de Pokémon. Donc on va voir s'il y a juste ça ou s'il y a d'autres trucs avec. J'espère qu'il n'y aura pas autant de retard que la dernière fois, le trailer. On a quand même dû attendre bien 5 minutes. J'espère qu'ils vont pas mettre le Pokémon dès la photo de. Dès la photo du jeu. Du jeu. La photo du profil. Tac. Donc on va attendre ça tranquillement. À préparer le site, comme ça après on aura des plus d'infos. Donc on sait que c'est un Pokémon électrique. Est-ce que c'est pas le premier? Non, ça serait le deuxième Pokémon électrique annoncé. Regardons. Y a pas de nouveauté, non. Bon, toujours pas des types des Pokémon légendaires. Même si on les connaît avec les leaks, ils ont pas officialisé. On n'a pas les talents et tout. J'aimerais bien savoir c'est quoi les talents des légendaires. Ça se trouve, ils ont de nouveaux talents et tout. Je suis bien curieux. Est-ce que du coup elle est dans les personnages maintenant? Non, même pas. Ils ont pas mis dans les personnages. Étonnant. Étonnant, étonnant. Donc ça c'est juste la vidéo. Ouais. Donc la vidéo qu'on avait regardée mardi. Donc rien d'autre pour l'instant. Alors on se rappelle les magnétiques, ils sont bizarres aussi. Donc on va voir si c'est juste des barrettes ou si c'est vraiment des nouveaux magnétiques. Enfin, surtout le rose. Le rose, il est bizarre. Donc on va attendre ça. Est-ce qu'il y a des trucs sur Twitter? Hop, home. Poké-Kalos, ils mettent pas mal de trucs. Alors, on a un peu moins d'honneur avant un nouveau lab de machine. Notez que, comme d'habitude, toutes les informations sont. Ouais, ok. Poké-Kalos.fr. Hop. Est-ce qu'on verra un aperçu de l'arène aussi? Parce que là, on la voit dans son bureau de streaming dans sa chambre. Mais on n'a pas vu son arène. Donc est-ce qu'ils vont nous laisser la surprise ou pas? Ou est-ce qu'il va y avoir une transition, genre elle sera dans sa chambre, et hop, elle va lancer un combat sur son arène, et le Pokémon qu'elle va envoyer, c'est justement le nouveau Pokémon. Je sais pas. Ça peut être intéressant. Ouais, ça part de l'animé. Bon. Ok. Bon, pas plus de trucs pour l'instant. Hop. On sur le home. Who's the best moustache Pokémon? Oh, oh l'enfer. C'est quoi cet enfer? Bah. Ouais, le meilleur c'est bon chien. Hein. Putain, les qu'est-ce qu'il est horrible avec tout. Mon dieu. Tu. Bon, 5 petites minutes.
Tac. Et d'ailleurs, il y a eu Halloween Tour sur Mario Kart qui est très sympa. Ah, j'ai tellement hâte de voir la prochaine vague de courses. Avoir un peu plus d'infos dessus. Pour l'instant, on en a deux sur les 8 qui doivent arriver. Même si ça a déjà été leak en partie. Pour l'instant, ça se confirme. Mais moi, ouais, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous montrer là-dessus. Bon. Je me demande à quoi va ressembler le Pokémon. Quel animal ça va être? Si c'est un animal, je pense. J'ai pas vu beaucoup de fanart des gens qui ont essayé de dessiner avec les petites infos qu'on a eues sur le Pokémon. C'est bien dommage. Ouais, j'ai juste pas cherché, mais j'avoue qu'on va pas aller chercher le hashtag Pokémon en stream hein, parce qu'il y a des trucs. Donc pas trop Pokémon sur Twitter. Donc Paper Mario, pourquoi les Paper Mario dans les tendances? Alors ouais, faire un petit Paper Mario en stream. J'avoue, j'ai un peu la flemme de refaire celui qui était sorti sur Switch. Là, Origami King. C'était très sympa, bon du coup j'ai pas fait en stream. Bien dommage, ça aurait été un jeu qui aurait été cool à faire en stream. On s'attrapera la semaine prochaine avec Mario et un pas crétin. Messieurs. Ah putain, oui, c'est vrai, demain il y a Minecraft Live! Après un peu de chasse. Hein? J'avais déjà oublié. Ça va être une journée cool demain. Mobvote et tout. Eh, mais! On n'a pas déjà accès au Mobvote? Normalement, c'est censé se lancer 24 heures avant. Attendez, je vais lancer le launcher Minecraft. Pour voir. Et peut-être que du coup, on peut voter ensemble tant que le trailer se met. Est-ce qu'on peut voter? Ah, il y a un truc Minecraft Live. Voter dans 0 jours. Oh, c'est sympa. Attendez, je regarde si je peux vous montrer ça. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi je peux pas vous montrer? Ah, peut-être parce qu'il y a des infos perso et qu'il vaut mieux pas. Ah merde. Ah dommage, j'aurais bien voulu me montrer comment ça marchait les votes. Ah, ouverture des votes dans 3 heures. Bon bah c'est pas tout de suite. Ok. Ok, donc dans 3 heures on peut voter. Donc, attends donc. Attends donc, il est 15 heures, donc 16, 10, à 18 heures. Cool, on va pouvoir voter avant le stream de ce soir. Attendez, je remets la fenêtre. Hop là. Pour être là. Yeah, nice. 3 heures, on va pouvoir voter le sniffer. Voter le sniffer, là, en masse. Tac. Donc, pas de PVC Sam qui s'incruste pour le trailer, apparemment. Personne. Alors, on va se regarder ça tranquille. Ok, dans 1 minute. Si c'est pas en retard, dans 1 minute, le trailer arrive. Let's go. Let's go, let's go. Pour l'instant, on n'a rien. Hop. De toute façon, j'ai pas envie de voir ici en premier. Je veux voir le trailer. Ok. Et 15 h! Ok, c'est imminent. Est-ce que va y avoir du retard ou pas?
Et pour l'instant, on n'a rien. Pour l'instant, on n'a rien. Événement. Oh, événement d'Halloween sur GTA. Ok, toujours rien. Il y a peut-être moyen qu'il y ait un peu de retard du coup. Ça avait mis, ouais, ça avait mis 4-5 minutes. Donc au pire, bon, c'est à 15h05 et rien de sorti, c'est qu'il y a peut-être un problème. Ouais, faut voir. Est-ce que sur le site Pokémon japonais, il est sorti ou pas? Après, faut pas regarder en japonais. Y a pas, je sais pas comment on trouve la chaîne en japonais. Ah bah si, bah, je suis con. Là-dessus. D'ailleurs, là. Non, ça c'était il y a un jour. Chaîne. Ah. C'est laquelle? Ça doit être celle-là. Non, arrête. Alors, rien non plus si. Ah, mais attends, mais il y a une première. Ah, mais eux, ils font des premières. Nous, on n'a pas ça. Est-ce que du coup, ça sortirait pas. Le trailer, il sortirait pas à la fin de la première en japonais? Ah, donc il y a moyen que ça sorte que dans 4 minutes, du coup. Enfin, 2, vu que ça a déjà commencé. Ok. Bon. Ils ont des premières, les bâtards, la chance. Nous, on n'a pas ça. Pourquoi on n'a pas ça, nous? Et pourquoi la patate sur les autres. Sur les autres chaînes? Les autres chaînes Pokémon? C'est sympa. Bon. Bah, attendons le trailer, hein. Allez, il veut voir un nouveau Pokémon? Ouais, toujours rien. Toujours rien, toujours rien. Après, ça se trouve, on va être déçu, ça se trouve, il va être moche. Après, elle a dit qu'il était mignon. Après, voilà, on n'a pas tous le même sens de mignon. Allez, petit trailer là. Non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Allô, là. Va falloir analyser pour voir s'il n'y a pas des petits trucs intéressants. Dans ce trailer. Ah ouais, la dernière fois, on a quand même eu le nom de la ville, on a vu un nouvel aperçu de map. Du coup, j'ai pas vu en détail ça durant le stream. De toute façon, il n'y a pas de son. Mais... D'ailleurs, dans la map qui montre pour la météo, il n'y a plus le petit bout qui pourrait faire penser qu'il y a le sud de Kalos. Donc peut-être RIP, hein. RIP à tous ceux qui voulaient le sud de Kalos. Bon. Toujours rien. Sinon, on va voir le trailer japonais, mais on va rien comprendre. Après, bon, il nous faut surtout l'aperçu du Pokémon. Mais... On tombe sur Pokémon FR. Toujours rien ici. Elle est finie leur première ou pas encore? Non. Encore en cours. 75 000 personnes devant. Eh, ça fait 4 minutes là. Normalement, le trailer est censé durer 4 minutes.
En vrai, c'est peut-être le temps que le truc s'arrête aussi. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Bon, après, s'il y a rien qui pop, on ira voir. Si à 15h10, s'il y a rien qui a popé, on ira voir sur le. Sur la chaîne japonaise. Pardon. Et nouveau Pokémon là. Toujours rien. Et pas du coup s'il y a plus de retard ou moins que la dernière fois, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'il y en a plus. Alors qu'on a attendu longtemps. J'espère que ça va arriver. Ouais, toujours rien. Bon allez là. Limite ça va arriver avant. Non, ça va. J'aurais eu ça si je m'étais fait spoil dessus. Merde, mais non, mais je fais de la merde. Je suis sur Pokémon FR. Hop. D'ici, rien de nouveau. Ah tiens, ça y est, on est passé à 2 jours. Donc là, le trailer était sorti. Ah, regardez, 4 minutes 25, c'est fini ici. Donc ça va peut-être pas tarder à arriver. Ah, let's go! On est parti. Bon. Le nouveau Pokémon. Pokémon, le Pokémon! Oh my god. Est-ce qu'il y a encore un quiz? Oh my god, le Pokémon. もしかしてピカチュウですか？ちょっと違うんだな。でも同じ電気タイプだよ。グレックルマニア氏。グレックルかな？ああ、確かに。なんとなく似てるかも。ああ、持ち物は磁石氏。いやー、いつもありがとう。何何？おお、バッチリ正解。ちょっと待っててね。Attends, mais en gros. Mais. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Et où on veut le voir? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Mais. C'est quoi ce truc? C'est juste des boss. Oh putain, il a l'air encore plus con comme ça! On dirait une enceinte le truc. Oh, Pibidou!
C'est quoi ce nom? Mais what? C'est la fin. Ça met la gueule de ce Pokémon, mais what the fuck? Il y a un mélange entre Cradopo et et Batrachné. Quel enfer. Ok. Après avoir s'il y a une évolution. Ça se trouve, ça va nous faire, si une évolution, ça va nous faire genre un Ronflex. Ronflex. Un Ronflex bizarre. Ok. Est-ce qu'on va avoir un petit aperçu du Pokémon, mais en jeu? Alors, un peu comme on a eu avec Tag-Tag, on a eu la révélation du Pokémon, et ensuite on a eu un truc en jeu. Je sais pas, c'est pas sûr. Vas-y, est-ce qu'il est arrivé là? Pour l'instant, non. Peut-être plus si on rafraîchit comme ça. Ah, pour l'instant, il est pas là. On va attendre qu'il apparaisse pour voir si on peut avoir un peu plus de... d'informations. Quoi, c'est... Du coup, le nom, c'était quoi? C'est Ampou Bidon? Non, c'est vous qu'on voit le nom. Ampibidou, pardon. Ampibidou. Putain, mais like. Ouais, ça fait un peu penser à une enceinte en vrai. Alors là, c'est là d'où sort le son. Puis bon, après, voilà. Ça, mais par contre, ça, c'est ses yeux. C'est quel enfer. Là, si on avait bien Dieu, mais ça fait c'est bizarre. On dirait un barbe à papa. Bizarre. Bizarre, bizarre. Ah, faut s'habituer. C'est du coup les commentaires, je le trouve mignon, je suis impatient. Voilà, je vois un objet. C'est dans son nom. Et qui est bizarre, mais aussi trop pipou. J'ai fait un home attack sur la toile. Je ne fais plus de vidéos avec ce genre de format pour présenter une nouveauté. Ah, il y a des gens aigris. Il est pas beau, espérons qu'il y ait une évolution. Ok. Mec, c'est con, mais j'espère vraiment ne pas la revoir, elle. Oh là là. En grenouille, je préférais toujours ce Pokémon en Finobi. Ah. Il y en a qui aiment pas la... la popularité dans Finobi. Ok, mais Dracaufeu est mieux. Et super, mais que quand on a un jeu. On parle de l'évolution de Girafarig, j'ai pas que je préfère Girafarig quand même. Enfin, son évolution, Farig Girafe. Après, à voir s'il y a une évolution. Eh, mais j'avais même pas vu les emojis sur la vidéo de tout à l'heure. Surtout, ça va être compliqué de se faire que ça, c'est ses vrais yeux. Et pas ça. Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire des fanarts où ils vont enlever ses boss? Mon dieu. Pas d'aperçu en jeu? Pour l'instant, non. Est-ce que ça va apparaître sur le site? Enfin, toujours pas, hein?
Voir les actualités. Il n'y a rien. Mais il n'y a même pas la vidéo de machine ici. Alors que si on va dans accueil, elle y est. Bizarre. Ah oui, c'est parce qu'elle est là, donc je suis con, c'est la même. Autant pour moi. Bon. J'espère que ça va se mettre à jour. Je suis sûr que c'est déjà à jour sur le site japonais. Est-ce qu'on peut trouver le site japonais? Comme ça. Attendez. Ou alors le site anglais. Official website. Est-ce qu'il y est? Ah non, sur l'américain, il n'y est pas non plus. Dommage qu'il n'y ait pas un endroit pour nous montrer les autres. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver ça? Jap. Je vois pas le site malheureusement. Je vois pas le site en japonais. Je sais pas comment on peut le trouver. Si je vais là-dessus. Nanana. Non, il y a pas. À moins que... Attendez. Non, merde. C'est le nom du jeu, c'est pas le site. Putain, ils mettent pas le site. Et si je fais... Ça. Hop. Putain, mais mettre ce site en français, putain. Ah. À moins que. Ah non, non, c'est pas le bon site. Ah. Ouf pas. À moins que. Ou alors peut-être. Oh! J'ai trouvé! Ok. Alors. Je sais pas sur quoi j'ai cliqué. Je sais pas. Je sais pas où faut aller. Ça veut dire Pokémon. Ah non. Dommage. Ça veut dire Pokémon. Ah! Oh putain! Oui, ils l'ont mis à jour, eux. Eh mais est-ce que eux, ils ont les types et tout?
la gueule. Même la gueule sur l'artwork, putain. Eux, les lions. Nous, on l'a toujours pas. Oh, regardez, il y a une image en jeu. Ah, en vrai, je trouve qu'il rend bien en jeu. Par contre. Oh, il a l'air d'avoir un talent à lui en plus. Mais on voit pas. Elle est sympa cette zone. C'est 1m2. Elle est grand, hein. J'aimerais bien savoir ce qui est écrit. Quoi. Merde. J'espère qu'ils vont pas mettre trop longtemps à mettre sur le site. Ah si. Bon. Putain, ils viennent de ses gueules. Par contre, ici, il fait plus foncé sur l'artwork que dans le jeu. Il fait surtout plus brillant. Le Farid Girafla. J'aime bien leur interface en vrai. Ouais, je préfère limite leur que le nôtre. Hein. Et c'est mieux rangé. C'est mieux rangé. Bon. Bon, on va attendre. J'espère qu'à 15h30, 15h30 l'aura en français. Au moins, on peut voir un petit aperçu. Est-ce qu'il n'y a pas un petit trailer dans le jeu d'ailleurs? Du Pokémon. Ah! Ah, mais non, c'est. Ah putain, si! Si, 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 c'est en jeu. Ok, oh, let's go! Alors. Ouais. Ah, il est stylé la ville. J'aime bien l'ambiance. La musique est cool aussi. Waouh. Ah, mais attends. J'ai cru reconnaître la ville. Waouh. En pibidou. Ah, il y a Cradopo dans le jeu. Je crois pas qu'on l'avait vu avant. Et Tauraptor, on savait, c'est un des premiers. Putain, il dort, mais ça me perturbe les yeux. Nice. En vrai, ça va. Je m'habitue à son design. Attends, il y a que son nom ou il y a d'autres trucs quand il montre? Ah oui, ok, il y a que le nom et le type. Malheureusement. Ah, c'est bon, il est là. OMG. Alors, en Pibidou. Un nouveau Pokémon que vous pourrez croiser dans la région de Paidea. Catégorie Electrapo. Type électrique. Taille 1m20. Poids 113 kg. Talent gros charge statique. Gros charge, c'est un nouveau talent du coup. Un nombril dynamo va survolter. Lorsque Ampidibou. Non. Ampidibou. Ampibidou. Waouh. Pardon. Waouh.
Compliqué à dire quand même. Hein. Allonge et contracte son corps élastique, son organe qui ressemble à un nombril génère une quantité d'électricité colossale. Les organes semblables à des yeux situés sur les côtés de sa tête projettent ensuite une électricité. Cette électricité. Ses véritables yeux sont en fait petits et adorables, et ses organes semblables à des yeux lui permettent de paraître plus intimidant. De nature sympathique, il ne remarque ses adversaires que lorsque ces derniers l'attaquent. Ah, c'est con. Apprendre à Ampibidou à engager le combat sans avoir d'abord été provoqué est une tâche ardue. La nuit tombée, on entend d'étranges bruits venant des habitats de ce Pokémon. Il ne s'agit pas de ses cris, mais d'un signal sonore émis par son ventre lorsqu'il est affamé. Alors, un nouveau talent, un gros charge. Ampibidou possède un tout nouveau talent, gros charge, qui apparaît pour la première fois dans ses opus. Il lui permet de se charger en électricité lorsqu'on l'attaque, ce qui augmente sa puissance de sa prochaine capacité de type électrique. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ok, bon, sympa en vrai. En vrai, je vais m'habituer au design, je pense. Sympa. Donc hop, toi tu peux dégager. Donc du coup, on peut le voir un peu en jeu. Ah, ça passe mieux une game en fin de compte. Ouais, je trouve que ouais, j'avoue que je trouve que ça passe mieux une game. On dirait qu'il y a une cible dans le dos. Ça me fume. Ils sont grands les Vigoris. Oui, attendez, du coup, la ville. Je pense qu'on peut reconnaître. Ah, les bâtiments comme ça, le gratte-ciel. Je me demande si justement c'est pas le bâtiment qui est vers l'eau. Enfin, où est-ce qu'on peut voir la carte de la région? Là. Merde, faut zoomer. Merde. Il n'y a pas une carte en plus grand. Attendez. Ah. Ok. Pas idée, pas idée, pas idée. Ah mais il y a tout, mais il y a pas, il y a pas celle de pas idée. Bah wesh. Attends, je vais tenter. Ah! Alors, est-ce qu'on voit en plus grand? Merde. C'est sur Pinterest. Il nous faut autre chose. Oh, mais. Trop chiant! Je veux juste voir l'image. En plus grand. On peut pas voir l'image en plus grand. Ah, attendez. Non mais c'était petit ça. Et ça aussi c'est tout petit. Bon, pas grave, on va faire un zoom.
Ah, c'est en mauvaise qualité par contre. Waouh. Bah du coup je me demande si c'est pas cette ville là. Mais en vrai, avec du recul. Beaucoup moins sûr. Putain, vous avez pas un truc en meilleure qualité, pitié? Ouais, c'est un peu mieux. En vrai, soit c'est cette ville, soit c'est celle-là. Ouais, si, ça ressemble quand même pas mal. Juste qu'on voit pas l'eau. Donc je pense que si c'est pas cette ville, c'est celle-là. Mais là, j'aurais plus vu un champion de type eau. Mais vu que ça fait très moderne. Donc ouais, type électrique ici et type eau ici, ça serait pas déconnant. Ouais, donc ça m'a tout l'air d'être ici. La vie de la championne. Donc Valendu, je sais plus quoi. Ok. Ah, très sympa, très sympa. On dézoome, on dézoome. Très sympa. Ouais, donc voilà, du coup, le nouveau Pokémon. Du coup, je sais pas quand sera la prochaine annonce. Je sais pas si on va en avoir une la semaine prochaine ou s'ils vont attendre un peu plus. En début du mois prochain ou fin du mois. En tout cas, c'est cool, on voit un peu plus de vide. Il y a des pubs. Il y a des pubs géantes. Tout ce grand bâtiment, j'ai l'impression que c'est celui de la ville que je vais montrer. Après, il n'y a pas ces bâtiments derrière. Donc en vrai, je sais pas. Du coup, j'ai un doute. C'est peut-être une autre, hein. Peut-être la deuxième ville que j'ai montrée, du coup. Oh, il y a deux doigts là, j'avais pas vu. Bon, ok. Ok. Bon, très sympathique ce petit trailer. Très sympathique. Bon. Du coup, on va se laisser là. Et ouais, petite 50 minutes de stream, c'est pas assez bien, c'est très bien. On se retrouve ce soir du coup pour soit du Souling, soit du Gmod. Je sais pas encore, mais je pense que ça va être du Souling vu que PC Sam n'a pas fait d'annonce. Donc on se retrouvera ce soir. Et puis demain, bah demain journée chasse et réaction Minecraft Live. Donc pas mal de réactions cette semaine, la vache. Bon, du coup à ce soir. Bonne fin d'après-midi, je vous fais des bisous. Et à tout à l'heure, tout le monde.